Surprenant durant le festival, c'est cette effervescence que l'on trouve la nuit, cette frénésie du jeu que l'on surprend au coin d'une rue ou à travers des représentations de passage, comme pour la compagnie de la Salamandre avec qui nous avions rendez-vous et les filles d'Estia qui, je le rappelle, se trouvent être la divinité du feu sacré et du foyer. Vous verrez l'originalité de cette troupe de Besançon qui dompte le feu pour mieux l'offrir, un spectacle magique et d'une grande générosité. Spectacle est tout nouveau, il est tout neuf. On vient de le créer, je crois que c'est la quatrième fois qu'on le joue. On est là pour le présenter, tout simplement. Et comme c'est un. Salamandre, c'est un collectif artistique, c'est une très grosse compagnie, il y a beaucoup d'artistes. Et c'est. On a 21 ans, c'est une vieille compagnie. C'est la première fois qu'on fait un spectacle si petit. Et donc. C'est un peu marginal en fait à la vie de la compagnie et donc parce que la Salamandre ça tourne tout seul, on vient plus à Rouillac parce qu'on n'a plus besoin, mais moi j'avais envie de j'ai envie que ce soit un spectacle qui voyage et qui ait un vrai public, je voulais qu'on fasse cette démarche là de venir le présenter les trois ici dans le cadre de Rouillac. Thank you.
m'inspire autant de l'ethnique indie, afro, que du classique, que du... Voilà, il y a des passages qui sont empruntés. Ce sont des transpositions de Lambarena, un projet qui avait été mené par des musiciens classiques mélangeant de la musique congolaise. Donc voilà, moi je reprends un peu cette idée sur certains morceaux, sur d'autres du mystique. Les influences sont très très vastes, hein, je me suis pas fermée. Voilà, je travaille avec une pédale de sample, c'est-à-dire que ça répète, ça fait des boucles qui se répètent mesure après mesure. Donc c'est un instrument maintenant qui est pas mal usité par beaucoup de musiciens qui jouent tout seuls comme ça. Donc voilà, ça donne une musique un peu évolutive qui se répète et qui peut amener légèrement à la transe. Là, c'est ce qu'on voulait un peu avoir vu que c'est une histoire plus ou moins de rituel. Le spectacle, il était créé ensemble, donc on n'avait pas un scénario au début, on s'est juste trouvé et on a dit, allez, c'est Jean-Mi qui nous a proposé de faire un spectacle et on a dit oui, mais après c'était, en fait, on ne savait pas où on y va avec l'histoire, on a juste créé, on a sorti des choses, on a tac tac et ça marche en fait.